Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo d'un colis qu'on a reçu de Yumi Drinks. Donc c'est parti. Et donc on l'a reçu ce matin, donc j'ai trop hâte, donc c'est parti, on ouvre. Oh bah c'est ça Lily. Donc on va l'ouvrir en piochant à l'aveugle. Waouh. Je regarde pas ce qu'il y a. Donc là il y a le... C'est où, tout ce qu'on a reçu dedans? Je ne sais pas, regarde. Non, je vais pas regarder parce que c'est la fin. Voilà. Il est très joli. J'aime beaucoup le petit lapin. Moi aussi. Et là, il y a un petit poussin. Un petit poussin. Un petit poussin. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Voilà. Ah oui, je crois qu'ils expliquent ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. Oui. Donc, j'ai laissé à maman. Comme ça, elle m'expliquera ce que c'est. Voilà. Donc, c'est parti. Oh, c'est un petit carnet trop chou. Oh, trop mignon. Il est trop chou. Donc ça c'est un dessin animé. Le personnage. Oui, c'est un dessin animé dessus. En fait ça passe à la télé. Alors, montre. Un site chinois. En Chine. Dit quelque chose. Il y a des petits enfants qui regardent ça. Donc c'est un petit carnet pour y mettre des notes. Voilà, il est trop trop chou en tout cas. Allez, deuxième. Ah, c'est tout petit. Waouh. C'est un vernis. Un vernis. Oh, trop cute. Un petit vernis, donc voilà. Il est bizarre le vernis, par contre. Il est jaune. Ouais. Ça change. Mais là, ça sera dans ma collection. Alors, attends, je vais peut-être le montrer. Ça sera dans ma collection comme ça. Et non, c'est pas un vernis. C'est un fluo, merci. C'est un petit fluo. Oh, le concept, il est trop chou, j'aime beaucoup. Mais j'ai cru que c'était un vernis. Je pourrais leur apporter à l'école, faire des blagues à mes copines. Je vais mettre du vernis, mes copines, sur mes doigts. Et non, c'est un stabilo. Il y a une copine à moi qui va dire, oh, je peux en avoir, et après elle va voir. Oh, non, c'est un fluo, tu m'as dit. Quand on avait déjà fait une blague avec un faux rouge à lèvres. Ah. Et du coup, elle avait cru que c'était un vrai. Donc, c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est des éponges. Oh, montre. C'est des punchens. Ah non. Oh, c'est trop mignon. Je connais ce dessin animé. Tu nous montres? Rilakkuma et Bakeri. C'est les dessins animés Rilakkuma, j'ai déjà vu sur Petit Quick. Elle ouvrait, elle avait des peluches comme ça, elles sont trop cute. Elles sont trop belles. Ouais, bon, je pense pas que je vais les utiliser pour faire les vaisselles, elles sont vraiment trop belles. Ouais, tu les feras en déco. Ou après, tu les utilises, mais tu les jettes pas à la poubelle. Donc, on va vous en montrer de plus près et on va l'ouvrir. Franchement, c'est trop sympa. Je l'adore cette box. Donc il y a des en dessous, c'est montre. Jaune. Ouais, c'est tout mou. Ah oh, franchement. Il y a du jaune. J'ai cru que c'était des squishy au début, moi. Vous voyez comment qu'elle est trop cute. Et il y a aussi à l'arrière, il y a du jaune et du rose. Et aussi celle-ci, vous voyez. À l'arrière, c'est pas les mêmes couleurs. Et normalement, voilà, c'est pas les mêmes motifs. Et là, c'est les mêmes. Voilà, c'est pareil. Voilà, les deux mêmes. Voilà, ils sont trop choux en tout cas. Oui, c'est trop sympa. Il y a que des choses... Trop kawaii. Ouais, trop kawaii. C'est là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une peluche. C'est quoi? Vas-y, ouvre. Il y a quelque chose d'autre encore. Après ça,
sera beau. Ah ouais, c'est une petite peluche. En plus, je fais la collection des peluches dans mon lit. Elle adore, Nuna. Ah, c'est beau. Je sais pas comment ils font pour déballer ça. A few moments later. Elle est sympa. Elle est trop cute. C'est un tsub-tsub. Alors, regarde sur la petite étiquette. C'est ça, Sanrio Chop. Montre. Tracteur. Oh, il y a Hello Kitty aussi. Il y a le monde d'Hello Kitty. Montre. Regardez là, il y a tout. Ah oui, d'accord, c'est toutes les peluches de Sanrio en fait. Oui. Et oh, là, c'est un tsub-tsub, on aurait dit. On aurait dit un petit tsub-tsub. C'est trop cute. Elle est trop douce. Bah, ce soir, je vais dormir avec. Voilà. C'est vrai qu'elle a trop chou, hein. Ouais. En plus, je crois que c'est un personnage dans... Hello Kitty, je crois, non? C'est pas un petit personnage d'Hello Kitty, ça? Non. Je ne sais plus. C'est elle. Celle-là, sur l'étiquette. La rose à côté de Kitty. Montre. Ah bah si, c'est dans Hello Kitty. Oui, c'est dans Hello Kitty. Ah bah trop cute, c'est dans Hello Kitty. Je l'adore. Et là, le dernier, c'est plus pour maman, ça, parce que c'est pour les œufs. Pour les œufs. Ah bah après, encore une chose. Oui, c'est pour éplucher les œufs, je crois, c'est ça. Waouh, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'ouvrir. On met les œufs dedans, c'est ça? Oui, on met les œufs dedans. C'est un cuit œuf? Oui, c'est un cuit œuf. Alors attendez, je vais vous montrer la boîte. Et dedans, il y a ça. Voici la boîte et le petit détail. Donc, à mon avis, c'est pour cuire les œufs rapidement. Oui. Bon, oh, la notice, bien sûr. La notice, bien sûr, est en japonais. Donc voilà. Et dedans, il y avait ça et on peut en faire cuire deux. D'accord, donc en fait, oui, c'est un cuit œuf. D'abord, c'est. Il faut sûrement mettre de l'eau au fond. Oui, après, mettre les œufs. Et on met les œufs et après, ça cuit. On couvre de ça pour faire cuire. Et après, bah, ça cuit tout rapidement. Et en plus. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je vois ce concept. Oui, et en plus, il faut que de l'eau. Que de l'eau. Que de l'eau. Il n'y a pas un truc à brancher dessus. Donc c'est vraiment bien. Parce que maman, à chaque fois, elle enlève la coquille. Bah oui. Et après, bah, c'est un peu dur. Je crois que c'est pour enlever les coquilles des œufs. Non, je sais pas, on testera. S'il y en a qui ont déjà testé ce concept, dites-le nous en commentaire. Au Japon. Et le dernier, c'est un petit squishy. Oh, trop chou. C'est de... Je sais pas trop. En fait, c'est un caca licorne, je crois. C'est une meringue licorne. Une meringue licorne. En plus, je fais une collection de squishy en ce moment. Ah, Luna, elle adore les squishy. Ça y est, Luna, elle casse tout. Voilà, elle est petite. Elle est trop chou, l'étiquette. Et là, il y a le squishy. Et en fait, là, tu nous le montres ? Il se met rapidement. Ah oui ? Ouais, regarde. Ah ouais. Tu nous montres ? Il est trop beau. Il y a une corne, un nœud. Donc... Alors, attends. Ah oui, il est vraiment trop joli. Avec un petit nœud et tout, j'aime beaucoup. Donc il se remet rapidement. Luna, elle fait tout tomber. Il se met très rapidement. Ouais, en c'est cas, vrai. Je l'aime bien. Mais il fait pas comme les autres. Mais au Japon, c'est bizarre. Okay. Les squishies. Moi, je les trouve trop cute. Il n'y a plus rien. Et voilà, la box est vide. Donc il y avait quand même pas mal de choses. Et en plus, ce qui est bien avec cette box, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est vraiment le suspense. J'aimerais trop en avoir une. Tellement ah bah peut-être. Bien. Peut-être. Ça serait cool. En plus, c'est sympa parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, l'article que tu as préféré à l'intérieur. Trois choses.
ces trois-là. Donc la grosse peluche, le squishy et le faux vernis. Trop beau. Non, on s'est fait avoir, hein. On pensait que c'était un vernis. Ouais, on s'est même fait avoir, vous avez vu. Peut-être que vous aussi, vous avez fait avoir. Vous avez fait pas vrai vernis. Dites-le nous dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi, vous avez cru que c'était un vernis. Ou si vous savez déjà que c'était fluo. Mais c'est vrai que j'ai dit que c'était bizarre en fait, que là, il n'y avait pas tout le truc rempli. Oui, c'est vrai. Du coup, je me disais que ce serait pas... Puis j'ai toujours fait maintenant d'avoir un comme ça. Luna parle beaucoup. Oui, et c'est trop chouette. Et donc, bah, je suis vraiment très contente. Et toi, maman, tu es contente? Ah oui, j'aime beaucoup. Surtout moi, j'aime. C'est bien, maman aussi, elle a eu des petits cadeaux comme ça. Elle a eu ça. Le truc, on va tester de faire cuire les œufs à l'intérieur parce que je ne connais pas du tout. Oui, donc peut-être ce soir. Oui, on verra. Et puis j'aime bien aussi le petit carnet de notes. Et elle a eu aussi des éponges. Et les petites éponges, trop mignonnes. Peut-être que papa il va prendre cela avec les jeunes étoiles et roses. Oui, voilà, peut-être. Voilà, ils sont trop cute. Bah, Luna, tu t'es endormie? Désolée. J'avais oublié qu'on faisait la vidéo tellement qu'il est trop trop doux. Et donc voilà tout ce qu'on a eu. Donc franchement c'est énorme. Voilà. C'est trop cute. Surtout le vernis. La blague. La blague du vernis, oui. On s'est bien fait avoir. Maman elle voulait ouvrir. Ouais, je croyais que ça allait être un vrai vernis, mais non en fait. Regardez le vernis. Ça va nous marquer ça. Ouais, surtout que c'est sympa. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. En tout cas, moi j'ai presque tout aimé. Voilà. Et surtout, je pense que c'est la peluche que tu aimes le plus. Tu vas dormir avec ce soir. Ouais. En plus, rose comme ça, trop cute. Les couleurs de ta chambre, t'as vu? Ouais. Rose et bleu comme ça et blanc. Et donc merci Yumi Twins Box pour nous avoir envoyé ce colis très kawaii et puis aussi très chou pilou. Et si la box vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Bisous, ciao!